Cold enough to make you shiver, but not cold enough to snow. Cold enough to know it's winter, perfect time to say our first hello. Bon matin! Ben en fait, il est déjà rendu 10h. On est encore le matin. Ce matin, c'était... il fait vraiment pas beau dehors. Il y a plein d'écoles de fermées. Fait que ce matin, c'est matin bien tranquille à la maison avec Léo. Puis Francis, parce que vu que c'est pas beau sur les routes, Francis aussi est avec nous. Là, il est en train d'ouvrir la cour encore. Puis c'est ça, dans le fond, là, Léo est dans le salon avec sa petite chaise berceuse. Puis là, dans le fond... Moi, j'allais mettre des petites patches parce que pour vrai, j'étais tellement cernée, là. Ma semaine au marché de Noël, à travailler dehors, à travailler autant à l'atelier pour préparer, genre, le marché. Je suis fatiguée. Je suis brûlée. Fait que là, c'est ça, je viens de me faire un petit chocolat chaud. Fait que je me suis fait un chocolat chaud rouleau. Ma belle-mère, elle nous a emporté une coupe, là, genre des rouleaux After Hate, voyons, Turtles, Cars. Puis Smalls, je me souviens plus lequel. Fait que là, je me fais ça avec genre des guimauves, puis des petits trucs de chocolat dans une vraiment une grosse tasse, parce que j'ai l'impression qu'il m'en faut vraiment ce matin. Puis j'ai aussi allumé ma lumière, ma chandelle tantôt, parce que je voulais que ça sente bon. Fait que là, c'est pas mal ça. Fait que là, je me suis dit que j'allais prendre mon café. Oh, Léo, j'ai avec mon téléphone. Mon chocolat chaud, j'avais pas envie de prendre un café. Je vous l'ai dit, là, mon dernier café que j'ai goûté, je l'aime. Vraiment moins. Pourquoi est-ce que tu cries? Je t'entends. Fait que, moi, ouais, je l'aime vraiment moins. Fait qu'on dirait que ça me tente pas. C'est Léo. C'est Léo? Oui, c'est vrai que c'est Léo. Marine. On dirait que ça me tente pas, genre de... Ouais, ça me tentait comme pas de prendre de café. Fait que je me suis fait un petit chocolat chaud. Un peu d'air, voilà. Non. Attends. Fait que... C'est ça, puis là j'écoutais un petit film de Noël avec Léo, j'ai écouté quelques petits vlogs ce matin, puis j'ai comme encore mis un pyjama, parce que pour vrai j'ai tout le temps les mêmes pyjamas, mais je vous jure que je les lave. C'est juste que j'ai comme trois sortes de pyjamas de Noël, puis j'aime ça les porter à Noël, fait que j'ai mes genre... Ben j'ai lui qui c'était l'année passée, là, mon t-shirt, mais sinon j'ai mes deux One Piece plus ma jaquette que je mets tout le temps, mais là il fallait vraiment que je me change parce que... Là, je me disais qu'il fallait vraiment que genre, j'arrête d'avoir le même pyjama parce que vous allez penser que je me lave pas. C'est ça, je vais prendre mon chocolat chaud, puis ensuite, je vais vous montrer les cadeaux que Léo a reçus à sa fête. Fait que là, pendant que Léo est en train de regarder son père ouvrir la cour, je me suis dit que j'allais montrer les jouets qu'il a reçus. Ouais, je me suis dit que, hey, sérieux, là, j'ai tellement mal. C'est pas mes patchs qui me font mal, mais j'ai envie que ma peau elle a tellement eu froid en fin de semaine que à toutes les fois je mets de la petite crème, là, ça chauffe là. Parce que je me suis mis comme de la petite crème, genre pour mes cernes aussi, pour mon contour de yeux. Mais là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, pendant qu'il est occupé à regarder son père, je vais vous montrer les jouets qu'il a reçus pour sa fête. Je trouve que c'est des bonnes idées. C'est des idées que moi j'avais proposées parce que je savais avec qu'est-ce qu'il aimait jouer à la garderie que j'avais pas à la maison. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite pendant qu'il joue pas avec, puis je vais essayer de tout penser parce qu'on les a tous rangés à des endroits différents. Fait que je vais essayer d'être très très claire. Je sais que pendant la vidéo de sa fête, on a vu des jouets quand il les a déballés, mais je vais quand même passer vite vite. Fait qu'on a eu une petite fermette. Moi, c'est important que Léo ait une fermette parce qu'il n'y en avait pas encore. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, elle fait du bruit. Puis il y a comme trois niveaux. Puis il y a les petits animaux qui vont avec. J'en avais pas, puis je trouve que c'est une belle façon d'y apprendre un peu les noms des animaux. J'avais juste des camions, vous le savez, je pense que même si je vous dis que Léo aime pas les camions, vous me crierez pas. Mais c'est ça, fait qu'on a une petite fermette avec plein d'animaux, des peaux, des cochons, des chevaux. Fait que je trouve ça super le fun pour lui d'apprendre à jouer avec d'autres choses que des camions. Fait qu'on avait ça ici. Ensuite, j'avais demandé aussi un jeu de cherche et trouve, peu importe comment, je voulais que ça soit le fun. Ma mère a acheté ce livre-là. Fait que dans le fond, c'est t'as des pages différentes, puis dans le fond, c'est faut que tu trouves les sourires. C'est vraiment cool, mais les sourires des animaux. Quel animal sourit? Fait que je trouve ça vraiment cool. En même temps, ça y apprend les noms des animaux. Je trouve. Moi, en fait, je voulais aussi des jeux éducatifs, pas juste des jeux pour jouer. Fait que j'ai eu un cherche et trouve. Je sais qu'il en existe plusieurs. Autant avec des émotions, comme un peu des jeux de mémoire.
mais je l'aime beaucoup. Ensuite, comme vous le savez, on y avait acheté ça ici. Je l'ai déjà montré dans un des vlogs que j'avais fait. C'est comme on avait quand on était jeune, dans le fond, tu peux dessiner dessus. Mais je trouve ça vraiment cool. Puis, en tout cas, c'est vraiment plus hot que dans mon temps, en tout cas. Dans le fond, tu as les animaux aussi. Fait que tu peux t'amuser à faire plein de choses. Puis, c'est ça, tu peux effacer. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit coussin en dessous pour qu'on puisse le mettre sur ses genoux. Qui est forme et couleur. Fait que dans le fond, on met. Il y a des trous dans les petites cartes. Puis il faut mettre des carreaux, des triangles, des cercles de couleurs. Fait que ça y apprend ses formes et ses couleurs. Je trouve ça vraiment cool. Il y a aussi eu le jeu Monsieur Patate. Fait qu'on a Monsieur et Madame Patate. On a même un bébé. Il faut que je trouve. Mais lui, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le bébé. Fait qu'il y a une suce. Fait que moi, je trouvais ça important aussi d'avoir ça parce qu'à la garderie, il adore jouer au Monsieur Patate. Il est où le bébé? Le patate et le bébé. Oui. Le tout est saigné. Oui, il y a une suce aussi. Ensuite, j'y avais acheté aussi ce petit livre-là qui est vraiment cool. Dans le fond, à côté, je pense que je l'avais aussi déjà montré, mais dans le fond, c'est comme un livre animé de chantier. Avec des pages différentes, c'est sûr qu'elle allait venir jouer avec les jeux. Fait que j'avais ça. Ensuite, Maxime a offert ceci, son couteau pour pouvoir nous aider à faire à manger. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Parce que je trouve ça vraiment pratique. Puis Francis, c'est lui le cook du couple. Parce que moi, je suis pas très bonne à manger. À faire à manger. Fait que c'est lui qui fait le plus souvent à manger. Fait que Léo va pouvoir l'aider. Fait que j'étais vraiment contente. Puis elle a aussi offert beaucoup de choses comme des chocolats chauds, des trucs pour... ben, qui est fun à manger dans le temps des fêtes. Après ça, il y a eu son premier balai pour aider papa à passer le balai. Puis ouais, maman, il a offert un beau balai. Fait que je trouve ça vraiment cool parce qu'il aime vraiment ça passer le balai Francis. Je crois que j'ai fait le tour. Je sais que... Eh bien, je vous avais sûrement vu le dernier cadeau qui était... que je vous ai pas montré, mais c'est genre les camions, dans le fond, là. Je vous ai montré sa réaction dans le dernier vlog où ce qui capote, même moi, je capotais d'avoir vu tous ces camions-là. Puis ils aiment d'amour, ils jouent tout le temps avec. Fait que, par exemple, je pourrais pas vous mettre tous les liens des jouets parce que moi, je sais même pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais je trouve que c'est des bonnes idées si vous avez, vous êtes en manque d'inspiration. Mais là, vu que j'ai joué, j'ai sorti ces jouets, là, Léo. Oui, viens, on va lire. Arrête de crier. Fait que, Léo, vu que je les ai lus. Fait que là, ben, je vais lui lire son livre de chantier. Non. Puis on s'en reparlera un peu plus tard. Est-ce que tu dis bye à tantôt? Bye, tantôt. Reculer de 25 secondes. Reculer de 10 secondes. Fait qu'il est rendu 2h30, Léo vient de se réveiller de sa sieste, moi j'en ai profité pour aller me laver et laver mes cheveux. Puis dans le fond, on a décidé qu'on allait se faire des bonnes galettes à melasse après-midi. Ah non, j'ai perdu mon chum. Fait que là, on s'apprête à aller faire ça avec Léo. Fait qu'on va vous apporter avec nous cet après-midi aussi. Salut, mon beau bébé d'amour. T'as
donc bien des grosses oreilles après cette petite tête-là. Puis tes pieds, on n'en parlera pas. Ils sont tous poilus. Donc, j'ai conclu ma journée ici. On a fait vraiment... C'était vraiment une journée de famille tranquille. J'ai pas tant filmé. Je me suis rendu compte dans les derniers vlogs que je fais... On dirait que les moments en famille que j'ai envie de filmer, je pense pas à les filmer parce que genre, on dirait que je profite trop du moment. Puis c'est correct aussi, en fait, là. Mais, ouais, on a fait des galettes. C'était vraiment fun. Par contre, ils sont vraiment sèches. On sait pas trop qu'est-ce qu'on a fait de pas correct de la recette. Ils sont bons, mais ils sont très secs. France m'a dit qu'on allait en refaire. Sinon, on a pris ça très tranquille avec Léo. Là, on vient de finir de jouer avec la pâte à modeler parce qu'il aime vraiment ça jouer avec la pâte à modeler. Parce que là, il est rendu 6h, on a déjà soupé. Moi, je suis fatiguée. Je pense, j'arrête pas de le dire. Et je vais aller faire quelques montages, quelques montages de mes vidéos précédentes que j'ai faites parce que là, faut que je reprenne mon avance. Mais sinon, c'est ça. Fait que dans le fond, je voulais aussi dire que j'ai fait il y a pas longtemps une story sur Instagram disant que j'avais perdu beaucoup d'abonnés sur YouTube. Mais comme, je disais pas ça dans le sens que je check tout le temps. Mais comme, ça va faire un an peut-être en février que j'ai commencé ma chaîne. Puis j'ai commencé à zéro. Puis là, ben, j'étais quand même proche, je pense, de 350 ou 3 ou 400, quelque chose comme ça. Puis j'étais vraiment contente parce que, tu sais, je me disais à chaque personne qui s'abonne, chaque personne, je vais voir c'est qui. Parce que je suis comme, c'est le fun, tu sais, je trouve ça... Autant quand que sur Instagram, là, moi j'ai commencé à partager ma vie sur les réseaux à la naissance de Léo, donc voilà 2 ans, puis j'approche le 2000. Tu sais, pour moi, tu sais, je trouve ça le fun. C'est pas juste un nombre, c'est genre chaque nombre est en fait une personne, tu sais. Chaque chiffre, en fait. Puis là, c'était juste comme je m'étais rendu compte que depuis le 1er décembre, moi, est-ce que j'ai commencé à faire mes vlogmas, fait que genre, j'ai énormément de personnes qui sont parties. Puis c'est correct parce qu'on en perd tout le temps un petit peu, puis on en gagne tout le temps. Sauf que là, en peu de temps, je l'ai comme perdu vraiment beaucoup. Puis j'étais comme, ben voyons, est-ce que j'ai genre offensé quelqu'un ou j'ai dit quelque chose? Mais c'est ça, c'est un questionnement que je me fais moi-même dans le sens que, tu sais, je suis quand même insécure comme personne. Puis tu sais, je disais pas ça dans le sens que je m'en faisais puis j'allais abandonner. J'étais juste comme, ok, est-ce que ma vie est si plate que ça, écoutez? Mais non, déjà je sais que c'est pas grave là, puis je vais en avoir d'autres. C'est juste que j'étais comme fière d'avoir atteint comme un proche 400 avec rien. Fait que finalement, je suis en train de manquer de batterie. Fait que je vais tout de suite vous dire à demain parce que sinon ça va couper tout de suite. Fait que je voulais juste vous dire merci. J'espère que les cadeaux que Léo a reçus vous ont donné des idées pour Noël. Sinon je vous dis merci encore, puis à demain. Bye!